reconnaît l'importance de prendre le lead sur ce genre de course comme le 500 mètres piste. Sur une piste type relevé, comme on a quasiment tout le temps sur les pistes championnats du monde, c'est primordial. On sait en gros très bien que sur ce genre de piste, c'est très compliqué de pouvoir dépasser. Le fait que les virages soient quasiment plats sur la sortie et sur l'entrée, on ne peut pas forcément avoir énormément de choix de trajectoire. Donc le fait de prendre la tête et de pouvoir la garder temporisée, ça permet quasiment à coup sûr de pouvoir gagner, voire d'être deuxième de la course. Par contre, qu'en est-il sur ce genre de piste comme Gujan-Mestras, qui est une piste incurvée? C'est pas du tout la même chose. Les virages, le fait qu'ils soient à cuve, offrent beaucoup plus de possibilités de dépassement et on peut prendre un maximum de vitesse dans cette cuve pour sortir très très vite du virage. C'est pour ça que sur l'action qu'on vient de voir, Gwendal fait le choix de pas garder la tête, il fait le choix de se mettre en deuxième position derrière Elton, ce qui va derrière lui permettre de pouvoir observer les adversaires qui sont en 3 et 4 et aussi de pouvoir voir ce que fait Elton pour prendre une option différente ensuite. Je reviens sur le virage 3 de cette course qui est un moment clé. On voit qu'au niveau du virage 2, Valentin prend énormément de vitesse dans la cuve, ce qui lui permet de doubler facilement Darren de Souza au niveau de la ligne droite. Et ensuite, il arrive avec un maximum de vitesse au niveau de ce virage 3. Il décide de reprendre la cuve pour reprendre de la vitesse à l'amorce du dernier tour, mais quoique, il perd toute sa vitesse sur le premier tiers parce qu'il vient se bloquer sur Gwendal le pivert. Il est du coup obligé d'aller piquer, puisqu'autrement il se ferait en gros doublé par Darren qui vient juste en gros doublé à ce moment-là. Donc dans ce genre en gros de situation-là, on voit un Gwendal qui est extrêmement expérimenté, qui a sûrement senti le coup en se disant « Valentin va sûrement prendre cette cuve-là » ou « un autre va prendre cette cuve-là, il faut que je garde cette place de deux ». Donc volontairement, il ne prend pas forcément trop de vitesse dans cette cuve pour aller freiner les autres et pour que les autres lui donnent de la vitesse et perdre la trajectoire optimale. Et on peut se dire aussi que c'est peut-être un manque d'expérience de la part de Valentin, où il aurait dû anticiper ce moment-là, et peut-être décélérer un tout petit peu avant cette entrée de cuve, pour obliger Gwendal à beaucoup moins temporiser sur lui. Donc là, c'est vraiment, vraiment le moment clé de cette course, où Gwendal, en maître, réussit à garder cette deuxième place, qui pour lui sera déterminante pour la fin de son dernier tour. On se trouve maintenant à la fin du virage 4. On voit que tout le monde est en haut de la queue. Gwendal, il a un léger avantage par rapport aux autres parce que Elton est un petit peu décollé de son aspiration. Lorsque Gwendal le pivert est dans cette position-là, en tête, à 150 mètres de l'arrivée avec les 5 petits mètres qui vont bien, pour moi, il est injouable. À moins d'une erreur technique de sa part, une inattention, mais je vois vraiment pas comment il peut perdre cette course-là. Donc maintenant, il va falloir être focalisé sur ce qui va se passer entre le deuxième, le troisième et le quatrième parce que la boîte, le podium, reste investi encore à ce moment-là. Alors, quels sont les points importants à retenir de cette course? En 1, je mettrais le fait de partir avec une ou plusieurs stratégies avant le départ de la course.
ça se fait avant avec son entraîneur, dans la chambre d'appel, etc. Comment on va courir cette course? Ça me paraît évident que Gwendal fait un choix délibéré de partir en deuxième position. Il est à la corde, il a la meilleure place possible au départ, il connaît en gros ses qualités au départ, il connaît les qualités de ses adversaires, et il part pas en tête. Et on voit bien que au début de l'entrée de virage, il est au coude à coude avec Elton, épaule contre épaule, s'il veut pas le laisser passer, clairement, il peut faire le forcing pour que Elton ne passe pas. Et pourtant, c'est pas le cas. Donc ça, c'est une stratégie que Gwendal a mis en place avant la course. C'est quasiment certain. Le deuxième point qui me paraît important, c'est de connaître ses qualités techniques et être capable de l'adapter par rapport au type de piste sur lequel on est. Là, on est sur une piste à cul. Piste très compliquée techniquement. Je peux vous dire que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de patiner à 50 km/h en haut de la cuve. Techniquement, c'est très très compliqué. Donc déjà, est-ce que je suis capable de prendre cette cuve? Si je suis pas capable de la prendre, qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je suis pas capable de construire un peu de vitesse sur le premier tiers pour aller repiquer derrière? Voilà, il y a plusieurs en gros solutions, mais il faut toujours que je les adapte, à ce que je suis capable de faire. Le troisième point qui me paraît décisif sur ce style de course, sur une course de sprint, c'est d'être capable de prendre les bonnes décisions avec le moins de temps possible. Généralement, on a une ou deux opportunités pour pouvoir dépasser. Faut vraiment être présent dans le bon moment, dans le bon timing et ne pas hésiter. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Faut être dans l'action, faut pas être dans la réaction. Faut essayer d'anticiper, faut savoir ce que je vais faire, faut bien se connaître et c'est hyper important. Quand j'ai une opportunité, je la saisis. J'en aurai peut-être pas d'autres derrière. Le dernier point qui me paraît primordial, c'est la gestion mentale de la course. Pour moi, le sport de niveau, c'est 70% dans la tête. Ça va être tout ce qui va être gestion en chambre d'appel, sur la ligne de départ, la gestion du stress, de la pression, comment on peut la mettre sur les adversaires, comment on fait pour ne pas se la mettre, avoir de la confiance en soi, avoir de la maîtrise. Tout ça, c'est primordial pour être un grand champion et pour pouvoir gagner ce genre de course-là.